Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations. Comme d'habitude, le mail pour contacter et envoyer un screen d'une situation, enfin d'un bug ou quoi que ce soit, c'est sur le mail dans la description. Et pour les messages, bah, c'est aller espace situation directement sur MSP. Et du coup on va commencer par le premier screen qui tout simplement c'est en fait en meilleur ami, il y a deux fois la même personne. Donc là je vois le pseudo, il est pareil hein. Et là c'est exactement pareil, donc je ne sais pas si c'est un bug et que la personne apparaît deux fois et que normalement c'est une autre personne qui devrait apparaître, ou s'il y a possibilité d'être deux fois dans les meilleurs amis d'une seule personne. Je ne sais pas si vous savez, parce que c'est pas la première fois qu'on m'envoie ça, ça arrivait pas mal souvent, donc si vous savez comment faire, dites-le moi. Alors là, coucou Photoshop, bonjour, enfin même pas Photoshop, même Paint, ça suffit pour faire ça. Ça m'a fait assez rigoler parce que la personne qui l'envoie, je fais non mais elle m'envoyait ça genre sérieusement, vous ça marche comment? Clairement vu la qualité l'écriture et la qualité du screen en lui-même, on voit très bien que c'est pas du tout la même qualité, donc rien que pour ça c'est déjà pas crédible, et en plus de ça c'est pas du tout le même, ils écrivent pas de cette façon, c'est pas la bonne police d'écriture. Pour copier Movie Star Planet. Mais enfin bon, ça, vu que ça m'a fait rigoler, je me suis dit, je vais vous le montrer quand même. Vous avez peut-être rigolé comme moi. Enfin, c'est fort probable même. C'est aussi un bug que l'on m'envoie assez régulièrement, mais celui-là je le trouvais rigolo, donc je vous le montre quand même. En fait, c'est quand il y a souvent des personnes qui m'envoient ce screen, ben c'est un peu la même chose pour tout le monde pour effectuer ce bug. En fait, ils ont voulu faire le look à un garçon, et en fait, leur look à eux se sont mis sur le look du garçon. Donc là vous voyez bien que le look de la movie star à gauche est le même que celui de droite, sauf qu'à droite en fait c'est un garçon. Donc voilà, on peut zoomer. Moi ce qui me fait rigoler c'est surtout au niveau des yeux, parce que t'as les cils qui vont en plein milieu dans l'œil en fait. Ça doit être tellement gênant en vrai. La petite bug qui fait qu'on ne peut pas voir les cadeaux que l'on reçoit lorsqu'on monte d'un niveau. Bon, c'est assez gênant parce que là du coup comment on fait pour réclamer? Ouais, à ce moment là il faut que tu relances le jeu sans réclamer pour que ça se remette. Bon, des fois ça peut charger au bout d'un moment, mais si ça charge pas, c'est vrai qu'au niveau 4 t'es pas censé encore laguer. Quoique on sait jamais. Mais ce qui me fait rigoler aussi c'est le petit smiley en bas, genre en mode elle est contente, ça charge pas, c'est un bug, mais elle est contente, elle a toujours la joie de vivre. Ici c'est limite creepy en fait, c'est assez creepy parce que on voit bien qu'il y a un bug. Alors c'est quoi? C'est dans un, ouais c'est dans une salle de chat hein, au niveau de plage. C'est flippant, c'est vraiment trop flippant. Et c'est même pas elle hein, parce que là je regarde, c'est pas, elle a pas la même bouche là. J'ai vu la bouche, donc c'est même pas sa movie star. J'ai l'impression que c'est plusieurs movie stars parce que là la teinte de peau elle change. Donc ça doit être plusieurs movie stars qui sont dans la plage qui font bugger. Enfin bref, c'est chelou, c'est assez flippant. Situation chelou. Quand je vais dans la boutique de vêtements et que je clique sur un article et que je veux l'acheter, la petite planète apparaît et tourne à l'infini. Enfin, j'ai pas essayé, mais elle tourne longtemps. Et quand je quitte le panier, on ne peut plus l'acheter comme si on l'avait déjà acheté. J'ai essayé avec d'autres comptes, ça me fait la même chose. Je sais pas si mon ordi ou si c'est tout MSP. Alors je sais pas, j'espère pour toi en tout cas que le problème s'est réglé depuis. Après c'est chelou, honnêtement je sais pas quoi te dire, ça m'est jamais arrivé juste quand je laguais énormément, mais le problème était réglé après quand je me reconnectais, ou essaye peut-être de le faire dans des heures un peu plus creuses où il y a un peu moins de monde sur le jeu et que du coup le jeu lag un petit peu moins. C'est tout ce que je peux te donner comme conseil parce que là honnêtement je sèche, je ne sais pas quoi te dire d'autre. En fait sur un autre compte qui s'appelle Enjoy Smiles is Beautiful, et en fait un jour mon père m'a fait visible et quand le terme était presque terminé, ben je redevenais VIP. Merci d'avoir lu ce message, j'espère passer dans la vidéo. En fait c'est pas un bug, c'est tout simplement que au moment du paiement on peut cocher une phrase qui dit que ça se renouvelle automatiquement ou pas, et je pense que tout simplement ton père soit l'a coché, soit n'a pas remarqué qu'elle était cochée, et du coup c'est pour ça que le VIP se renouvelle automatiquement. Mais du coup c'est pas un bug parce que ton père tous les mois se fait retirer l'argent pour le VIP, voilà. Donc regardez bien au moment où vous vous abonnez si vous voulez ou pas avoir le paiement récurrent. Situation bizarre qui m'a fait peur MDR. Un jour je me cogne sur mon compte, je vais à la plage et je vois un gars tout blanc, monsieur blanc, puis après il me dit bonjour, vous êtes toute blanche CVP, mettez-vous toute blanche CVP, je me suis vite déco MDR, sinon couille, tu m'écoutes, bisous à toi.
Mais pourquoi t'as déconnecté? T'avais peur qu'il te pirate ou quoi? C'est trop rigolo. Situation prank, ma best m'a fait un prank, genre elle me faisait croire qu'elle avait donné son compte et que la nouvelle propriétaire était violente verbalement et du coup l'est bloquée. Oupsie. Bon, t'as pas tort, hein. En soi, si elle est vraiment violente verbalement, t'as bien fait raison de la bloquer. Après, si c'est un prank, c'est pas grave, tu la débloques. Mais bon, heureusement que tu l'as pas signalé en même temps, quoi. Ouloulou, carrément une modératrice d'MSP qui me contacte. Alors ma situation, oui, je sais, je ne suis pas une modo, mais en fait, il y a une personne qui me demande un ami. Je ne dirai pas le nom et j'accepte la demande d'ami. Et ils me disent, désolé, vous ne pouvez pas accepter plus d'amis alors que j'étais niveau 4 et j'avais 8 amis. Voilà, clairement... Après, peut-être que t'as mal lu et il y avait marqué que la personne que t'essayais d'accepter n'avait, elle, plus de place pour toi dans ses amis. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Enfin, j'espère que j'explique bien. Enfin, bref, puisque des fois, vous avez des demandes d'amis, vous les acceptez, ça vous dit, en fait, que c'est l'autre personne qui n'a plus de place et du coup, vous pouvez pas l'ajouter. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que t'as lu un petit peu trop vite et t'as mal compris. En tout cas, très beau look. On dirait, limite, ma fille, en fait, non ? Là, ça fait genre un petit peu la daronne, la maman, bonjour, I'm the mover, et Tizis my daughter, hein, donc ma fille. Non, on dirait pas, genre, en plus ça fait bien, hein, les situations, c'est la maman et la modératrice, c'est la fille. C'est bien, travaille ma fille, modère. Coucou, j'étais sur MSP, il y a une fille qui s'appelle UserCruel1, tu peux la chercher, elle m'a dit qu'elle avait piraté mon cousin. Je lui ai dit, mon cousin ne joue pas à MSP. Et je lui ai demandé un ami, elle m'a dit « Oh my god, tu m'as ajouté, tu es trop gentille », elle a commencé à me faire des autos. Je lui ai fait pareil, et maintenant, c'est mon ami. Situation bug chelou, j'étais dans une salle de chat, et là j'arrive plus à bouger, le fond devient noir. Alors je demande aux gens qui étaient dans la salle de chat s'ils pouvaient bouger, et si le fond était noir, ils m'ont dit que tout allait bien, voilà, bisous. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de bugs, et que c'est suite au chargement qui a du mal, si vous avez une connexion pas ouf, ou un PC pas ouf, ou tout simplement votre jeu qui lag en soi, qui peut des fois ne pas provenir de chez vous, mais de chez le jeu, ça arrive, donc c'est parce que chez vous forcément il y a un bug, il y a le même bug chez les autres, mais c'est toujours bien de demander, parce qu'on sait jamais. J'étais dans la salle de chat, un garçon sans rien me dire viens, il fait des actions chelou contre ma movie, alors je me décale, il revient et me demande un ami et sans faire exprès je dis oui à cause d'un bug et ensuite je vais dans ma chambre et il y va et refait ses actions gênantes. Oh le malaise. Je vais dans une autre salle de chat différente et il me suit et le refait à chaque endroit. Est-ce que tu peux le passer sur YouTube et ajouter ma quinzelle et ma Francesca? Et bah écoute, oui, comme tu viens de le passer, bon, à part te dire de le bloquer, enfin certes tu l'as accepté en ami, mais je pense qu'après tu peux très bien aussi l'enlever de tes amis et le bloquer, histoire qu'il ne puisse plus te suivre, comme ça il ne sait pas où tu vas ensuite. Mais c'est vrai que c'est un peu relou ce genre de situation. Mais en même temps, moi, ça me fait rigoler, quoi. Situation merdique. J'ai acheté le pack Star VIP 1 an, le nouveau, en ce moment, avec le pet-pet. Le lendemain, j'ai été sur MSP, j'étais VIP. Mais le jour d'après, j'étais plus VIP et mon argent était resté. Mais le pet-pet a disparu, j'étais trop triste. Je t'aime trop, Quinzette, t'es la meilleure. Alors, attends, parce que j'ai compris. Alors, attendez, j'étais VIP. Le jour d'après, t'avais plus VIP. Mais ton argent était resté, c'est-à-dire quoi? T'as récupéré ton argent ou tu l'as perdu? Mais le pet-pet avait disparu, en gros t'as tout perdu sauf l'argent, enfin j'ai pas trop compris. Mais en soi, si t'as un souci, que t'as bien été débité de ton compte bancaire ou tes parents ont bien perdu cet argent là et que tu as perdu ton VIP, ce n'est pas normal. Et bah du coup contacte Movistar Planet, surtout si c'est pour un Star VIP 1 an, ça coûte extrêmement cher. Situation bug, je ne peux pas changer la couleur des rares. Ah bah mince, mais tu es sur quoi? Sur PC? Sur téléphone? Parce que si t'es sur PC, essaye sur téléphone. Et inversement, si t'es sur téléphone, essaye sur PC, peut-être que ça peut marcher. J'envoie un cadeau à mon autre compte, il ne le reçoit pas. Ah bah mince, c'est embêtant ça aussi. C'est dans une salle de chat, il y avait une fille habillée, mais par-dessus son short, elle avait sa culotte. Ouais, ça pareil, j'avais déjà montré un screen, parce que ça aussi, j'en ai reçu pas mal. Je voulais faire une salute, mais ça marquait vous recevez tous les deux, 0 Starcon et 0 FM. Je ne sais pas si tu comprends, PS, je t'adore. Regarde ma photo qui s'appelle pour les situations. Et bah écoute, vraiment, t'as vraiment pas de chance. Mais genre vraiment pas de chance avec tous les bugs que tu m'as envoyé. Donc bah écoutez, ça sera la dernière conversation pour cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas finie. On va d'abord aller voir dans les photos pour vérifier qu'est-ce qu'elle nous a envoyé dans ces photos. Photos sur MSP. Et également on va peut-être voir si des situations a reçu des petits
petits cadeaux. On va peut-être ouvrir quelques petits cadeaux. Ce sera un petit bonus de la vidéo. C'est où? C'est là-dedans. Voir les photos. Donc normalement, c'était pour les situations. Donc vu que ça date. On va descendre un bas. Eh bien, écoutez, je sais pas si j'arriverai à le retrouver. Il y a trop de photos, je crois que je vais lâcher l'affaire. Non, tant pis. Bon, ben, c'est pas grave pour la photo. Mais on va quand même aller vérifier les petits cadeaux. Alors, effectivement, il y a des cadeaux. Parce que je crois que je n'ai jamais ouvert de cadeaux avec Madame Toi. Ah, mais il y en a quand même pas mal. On va commencer du coup par la fin. Voilà, par la fin des cadeaux, par les premiers cadeaux qu'elle a reçus. Et on va aller voir ça. Ce sera bien, s'il y a quelque chose qui va bien avec son look et qu'on pourrait lui mettre, eh ben on le fera. Parce que, par exemple, les chaussures, je les ai changées, parce que de toute façon, celles d'avant, elles étaient pas belles. Mais s'il y a quelque chose, genre un petit jeans noir, un petit pantalon noir, ou des petites chaussures qui vont bien avec son look, je pense que le haut, je vais le garder, parce que le haut, ça fait très formel, ça fait très... Bah, comme je disais, voilà, très formel, rien d'autre à ajouter. Donc le haut, je pense que je le garderai. Petite animation, bah tiens, l'animation, ce serait sympa. Je vais peut-être pouvoir apporter aussi une animation, enfin faire une animation plutôt. Mais en tout cas, merci pour les cadeaux. Je n'étais pas obligée hein, pour les situations. Voilà, c'était un petit peu trop sexy pour les situations. Hein. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Ça, on va tester. Ouais, non, je préfère quand même l'ancienne. Je sais pas pourquoi avant j'aimais bien cette coupe et là depuis un petit moment j'arrive plus à me l'encadrer cette coupe. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle part trop au niveau de la tête et je trouve que ça fait trop pas beau en fait. Avant je l'aimais bien et je sais pas pourquoi maintenant je trouve que ça matche plus avec la tête. Je sais pas. Dites-moi d'ailleurs si vous l'aimez bien ou pas. Celle-là on peut la mettre, ça fait très formel. Du coup avec un pantalon, ouais, parfait. Voilà, ça fait mieux comme ça je trouve. Bon, c'est vrai que les chaussures elles sont un petit peu abusées aussi hein, par rapport à la tenue. Enfin ça fait trop sexy, trop soirée de gala, trop je sors en boîte de night. Donc s'il y a d'autres chaussures un peu plus conventionnelles, bon, peut-être pas non plus des baskets hein, parce que ça fait encore moins pire. Mais elles sont très jolies quand même. Fake tattoo, en mode mettre un tattoo, on le verra pas avec les habits par-dessus. Mais pourquoi pas. On va mettre ça, parce que l'autre coupe là c'est bon hein. C'est bon. Et les gens ils vont plus reconnaître les situations et dire oh merde mais ça a trop changé. Non en vrai je pense que je vais remettre l'autre coupe. Je suis tellement habituée à l'autre coupe en vrai. Hop. Bon peut-être on va mettre ces chaussures là. Non ça le fait pas trop hein. Ça ne le fait pas du tout même. Non ça je préfère garder le pantalon qu'elle a déjà. Mais bah écoutez, je pense qu'on va ouvrir que cette page. Et puis de temps en temps, à la fin des vidéos des situations, un petit bonus. De temps en temps, j'ouvrirai des cadeaux, donc pas tout le temps. Mais de temps en temps, pourquoi pas. Non, je vais pas le porter, ça va faire trop. Désolée pour mon téléphone. Il reste pas mal de petits cadeaux hein, à ouvrir. Mais en tout cas, comme vous l'avez vu, on a ouvert quelques petits cadeaux bonus. Et bah sur ce, moi je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et moi je vous dis à plus tard. Ciao ciao.